Yup tout le monde, avant de commencer cette vidéo qui va être hallucinante, je vous rappelle la bonne nouvelle, je viens à votre rencontre à Paris, au magasin Star Music le 1er avril. Au programme ça va être le feu, on va pouvoir discuter ensemble, rigoler, mais c'est surtout que ESP, cette marque fantastique, nous a préparé des grosses surprises avec des modèles jamais dévoilés, et on va faire un unboxing et un test en direct avec vous. Pour participer à cette chelou soirée, eh bien n'oubliez surtout pas de vous inscrire avec le lien qui se trouve en description. Bref, bonne vidéo à tous. Oh là là les amis, la vidéo que vous avez... Je recommence. La vidéo que vous apprêtez à voir, vous l'avez compris, la French Shred War, va mettre en PLS tout le monde. Qu'est-ce qu'une Shred War? Eh bien, c'est grâce à notre ami Jared Dines, tout droit des États-Unis, qui avait fait ce concept de réunir plein de guitaristes de ouf, et puis voilà, shredder, faire des solos. En tout cas, c'est ça le principe. Alors, pour avoir contacté le monsieur Jared Dines, il m'a laissé en vue hein, sur Instagram. Eh bien, écoutez, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo? Voilà, et je compte sur vous tous pour lui envoyer le spammer de partout, comme ça un jour on va faire French Shred War, les Français, This is, qui veut. Il voit pas la France, j'ai l'impression qu'il croit que la France c'est un parking. Donc s'il vous plaît, vous lui envoyez tout ça, vous dites France, This is, US s'il veut. On est chaud. Petite parenthèse, évidemment la musique n'est pas une compétition, c'est juste le principe du nom. Ce que vous allez voir n'est pas une bataille de solo, c'est vraiment une grosse collab. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réuni... Pour moi, les guitaristes qui sont ultimes en France. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais avec tout le monde qu'il y a, on aurait fait un shred d'une heure. Je remercie déjà tout le monde d'avoir accepté, et il y a surtout des personnes qui, pour moi, il y a encore 4-5 ans, je les regardais comme ça, ou même à mon adolescence, je regardais comme ça, je disais, mais ce mec est fou, jamais je pourrais lui parler, et on fait une collaboration maintenant, et c'est complètement dingue. Donc merci à tous ceux qui ont participé, merci à tous pour votre temps, et merci à vous, la chelouterie, eh bien, de continuer de soutenir, parce que ça montre que on peut faire des choses avec d'autres personnes, et ça donne confiance aux autres, bref, vous avez compris. Alors plusieurs choses, évidemment, il va y avoir un guitariste ou deux que vous préférez, qui ne sera pas de parce que les gens ont peut-être du travail, on n'avait pas beaucoup de temps, on n'était pas disponible, etc. Mais n'oubliez pas que j'ai fait une précédente collab avec plein de copains, hein, Florent Garcia, Le Son dans les Doigts, Max Wemy, etc. Donc on a déjà fait ce genre de collab avant. Autre petit point dans les commentaires, vous allez me dire, eh bien, qui est-ce que vous voulez que je réinvite en guitariste français pour une prochaine collab? On ne sait pas. D'ailleurs, vous pouvez aussi mettre en commentaire quel est le solo préféré là que vous allez entendre qui vous a fait vibrer, qui vous a émoustillé. Et dernière petite chose avant de commencer cette douce bataille, j'ai pas été tout seul pour bosser sur ce projet, moi je me suis occupé de composer toutes les instrumentales, les guitares vous allez entendre derrière, les batteries, en gros le support pour que les personnes puissent composer leur solo par-dessus. Et il y a une personne qui s'est occupée de sublimer tout ça et surtout mixer pour qu'il y ait un son patate, c'est Enzo. Donc je le remercie, mais je veux juste lui faire un clin d'œil, ça peut vous intéresser, il a une chaîne YouTube à côté où il parle de musique et jeux vidéo avec son pote Simon, ça s'appelle le Bar de l'OST, je vous mets les liens dans la description et allez voir, moi je regarde toutes leurs vidéos. Bref, les amis, je suis très heureux, vous l'avez remarqué, j'ouvre le bal, c'est moi qui commence, je vous ai préparé une petite composition exprès pour cette collab, et ensuite on verra tous les guitaristes qui sont hyper talentueux. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous leurs liens en description pour les suivre si vous êtes chaud. J'espère d'ailleurs que vous êtes chaud, on y va.
Thank you.